Yo les gars, j'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo sur Dokkan Battle Tournament Showcase. Aujourd'hui les gars, on teste le Trunks MF ZTUR. Oui les gars, il vient d'obtenir sa ZTUR, du coup on va le découvrir ensemble. Dites-vous les gars, c'est un personnage que j'avais pas avant la célébration, donc en soi les gars, ça va être l'une des premières fois que je le joue. Et en plus de ça, bon, voilà, il vient d'avoir sa ZTUR au bon moment, voilà, dès que je l'ai quelques jours après ZTUR, c'est incroyable. Et alors, j'ai pu monter les liens entre temps les gars, parce que oui, bien sûr, full link 1, c'est pas intéressant de jouer un personnage full link 1, donc malheureusement, il est pas full link 10 les gars, mais au niveau des liens, c'est plutôt monté, hein, c'est pas 1, c'est pas 10. Donc ça va. Au niveau du potentiel des doublons et tout les gars, j'ai qu'un seul doublon malheureusement. Comme je vous l'ai dit, je l'avais pas avant la célébration. Je l'ai eu deux fois, j'ai eu un peu de chance. Au niveau du leader les amis, qu'est-ce que ça donne? Alors c'est un leader 170 pour la catégorie Saga du futur et qui plus 3 du coup, def plus 130 PV et tout. Bon, pour la classe super, c'est pas ouf les gars, on va pas se mentir. On va plutôt le jouer en leader en vrai. Ou même, voilà, on le joue pas en leader quand on joue le Trunks Vegeta ou si vous avez vu le jeu SCG Blue, ça fait très bien le taf. Au niveau de l'aspect, les gars, alors l'aspect, elle va vraiment être très très intéressante. Et dites-vous que, les gars, moi, j'ai envie de dire, les gars, le mieux, vraiment, c'est de le monter en attaque sup. Parce qu'en soi, au niveau du crit, il est très bien, il est blindé. Donc, les gars, si vous avez des doublons, c'est attaque sup, les gars. Vraiment, il n'y a aucun intérêt à le monter en critique, c'est full attaque sup, les gars, vraiment. Alors, on augmente l'attaque et fortement la def pendant 3 tours. Les amis, en vrai, cette forme de base, vous allez l'avoir qu'un seul tour. Donc en soi, si vous avez des doublons, ouais, montez-le en attaque sup. Comme ça, vous pouvez avoir 2 spé et avoir 2 bonus de défense, ce qui est assez vraiment pas mal. Du coup, le passif avant la transo, les gars, attaque et def plus 140, qui plus 2 pour tous les alliés de classe super, attaque supplémentaire garantie et grande chance d'attaque spéciale. À chaque attaque portée, chance de coup critique plus 30% pendant le tour. Si les conditions sont remplies, provoque transformation. Du coup, vous avez vu, vous avez du crit, 30% de crit, c'est vraiment bien, c'est très très bien. Plus vous avez grande chance d'attaque spéciale et attaque supplémentaire garantie. Ça veut dire, les gars, vous pouvez potentiellement faire 3 spé. Avant d'être transo, ça veut dire que vous pouvez prendre le stack de def fortement 3 fois. C'est énormissime. Alors oui, c'est de la défense pure, nanani, nanani, mais ça monte très vite, les gars. Donc en soi, on peut se retrouver à des belles valeurs assez rapidement. Alors en SCJ, les amis, on va augmenter fortement l'attaque et la def, ce qui est vraiment énorme, les gars. Et à chaque début du tour, on aura attaque et def plus 25%. Du coup, faudrait 5 apparitions, les gars. C'est beaucoup, hein, parce que en fait les gars, c'est un personnage qui va faire mal et bah aussi les alliés, tout ça, ils vont faire des dégâts forcément. Donc 5 apparitions avant d'être full stack, ouais, c'est un peu difficile les amis. Sinon au début du coup, on a attaque et def plus 150%, on a toujours l'équipe plus 2 pour tous les alliés de classe super, les gars, c'est extrêmement bien. Et vraiment, ce qui me dérange là, c'est attaque et def plus 25% à chaque début du tour. C'est-à-dire 5 apparitions, mon ref, ça commence à faire beaucoup. À partir du 4ème tour, après le début du tour, attaque supplémentaire garantie et grande chance d'attaque spéciale à chaque attaque portée, chance de critique de 30%. C'est extrêmement bien, les gars. Du coup, voilà, vous n'avez pas besoin de le monter en critique. Comme je vous le dis, je vous le répète encore. L'aspect en mode fureur, en mode Ikari, les gars, c'est énormément attaque pendant un tour. C'est énormissime, les amis, c'est incroyable. Il va faire très mal hein, quand il sera en forme Ikari. À chaque sphère de ki obtenu, attaque et def plus 20%, enfin attaque plus 40% et def plus 20%, coup critique garanti. Oula, ça c'est intéressant ça. Si 4 sphères de ki ou plus sont obtenus, qui plus 3 pour tous les alliés de classe super, attaque plus 50% plus lors d'une attaque spéciale, chance aléatoirement les sphères de ki autre que tech en sphère de ki tech. Les gars, c'est extrêmement bien. Alors oui, je sais qu'on perd un peu de def, un peu d'attaque, parce que du coup là il va nuquer. Ça veut dire si tu prends pas beaucoup de sphères de ki, bah forcément t'auras pas de grosses valeurs. Mais dites-vous qu'on aura stacké quand même bien la def et bien l'attaque. Donc en soi, en transfo, il va être incroyable. En plus de ça, si la RNG elle est avec toi, t'as un beau plateau, les gars, ça va être n'importe quoi. Dans ce showcase, on n'utilisera pas d'items, les gars. Il y aura une autre vidéo tout simplement où on utilisera des items et tout. Mais là, vraiment, ça m'a l'air vraiment incroyable, les gars. J'ai hâte de tester. Bon, juste avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent la chaîne, les gars. Ça fait plaisir. Allez, on part pour la vidéo, pour le showcase du Trunks Ikari ZTUR MF, les gars. Let's go! サイヤ人の血を引く者ならば、俺の息子ならば誰にも負けることは許さん。俺、超えてみせます。目の前の敵も父さんも。
Première rotation, les gars, j'ai ramené Goku Kai aussi parce que bah je vais vous présenter la team, vous allez comprendre tout ce que j'ai essayé de faire, les gars. Vraiment, j'essaie de faire un truc classique, un truc fun, un truc cool, les gars, pour changer un peu, les gars, bon, vous allez voir. Du coup, première rotation, qu'est-ce qu'on a, les gars? Goku Kai, Trunks, Vegeta et Mai. En vrai, j'ai fait une team future, voilà, rien de très spécial. J'ai voulu juste faire une team future, voilà, pour le fun, les gars. J'ai pas envie de vous mentir que, voilà, j'aime bien la team future. Et franchement, c'est cool qu'ils ont osé faire le Trunks MF, les gars. Alors, je pense pas que ça soit sa meilleure team, même s'il sera lead dans 200%, qu'il aura quand même des boosts, parce que la Mai va lui apporter quand même du pivot. Le Trunks Vegeta va lui apporter des liens. Voilà, ce serait une très bonne team pour lui, les gars. Je sais pas si c'est la meilleure, mais écoutez, pour le premier test, voilà, j'ai voulu faire un truc assez cool, assez fun. Et on va essayer de le maxer à fond. Du coup, bah les gars, 3 spé, hein, 3 spé, on essaiera, les gars, 3 spé pour ce duo. Pour le Trunks. Parce que du coup, vous avez vu que on va stacker fortement la def sur la spé normale. Et une fois transo, bah on va continuer à stacker la def et l'attaque de manière infinie. Ça veut dire, les gars, la transformation en Ikare, elle sera sous active skill. Ça veut dire, c'est pas une transformation qui croque comme ça, aléatoirement. Non, c'est nous, on fait l'active skill. Donc, les gars, on pourra vraiment bien stacké et le transo à la fin, du coup, pour voir réellement ce que ça donne. La maille ici qui va être intéressante. Et dis-donc, les gars, c'est la première fois que je la teste. Oh, nice! On a une belle rotation ici, les gars. Ça fait plaisir. Bon, on commence à combien, les gars? 160 000 de def, les gars. Première apparition. Ouais, c'est pas. Bah, en vrai, j'ai envie de dire, les gars. Oui, c'est un peu nul et un peu bien parce que vous l'avez vu, on va stacker à l'infini, on va prendre beaucoup de def et tout. C'est pas dégueu, mais pour un début, les gars, en 2023, ça c'est non. En 2023, ça c'est difficile, j'ai envie de dire même, les gars. Donc ouais, c'est bof. Bon, allez, 3 millions de début d'apparition, les gars, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Attaque sup. Oh non, alors là, les gars, j'ai vraiment pas été chanceux. Ouais, vraiment pas été chanceux ici, les gars. C'est dommage. On croque qu'une seule attaque, les gars. La RNG qui n'est pas avec nous aujourd'hui. C'est dommage, les gars. J'aurais bien aimé faire une petite attaque sup, les gars. Ça aurait été vraiment bien. Ok, bah en vrai, c'est pas grave si on perd un peu de PV, les gars. Ok, les gars, du coup, le duo SCJ Blue. Ok, je l'ai ramené, les gars, parce que, bon, il rentre dans la team future, les gars, et en soi, bah, il sera pas dégueu, hein, j'ai envie de vous dire. Je pense là, on est sur une belle rotation, les gars. Oh, l'aspect au tout début, les gars. En vrai, je pense pas qu'on va prendre si cher que ça, mais ça serait bien de descendre en dessous des 70% de PV. Comme ça, au cinquième tour, les gars, on a la transfo du SCJ Blue. Du coup, c'est au septième tour qu'on va le transformer, je pense, les gars, parce que à la troisième apparition, en gros, pour avoir du coup la réduction, parce que à partir d'un certain nombre de tours, les gars, il va perdre, les gars, sa réduction, enfin sa garde activée plutôt, et on va devoir le transfo si on veut tanker. 4,8 millions au démarrage. Alors, c'est pas son showcase, les gars, donc on va pas essayer de faire grand chose avec lui, les gars, même si en soi on va montrer des points négatifs et points positifs, hein, avec le duo SCJ Blue. Mais il va pas trop nous handicaper, voilà. Ok, transo en SCJ, les gars, j'ai le seum, on a même pas prendre d'attaque sub, les gars, ça fout le seum. Bon, c'est pas grave, les gars, c'est normal, c'est pas tout le temps. Ouh, 300 000 de def, oui. Alors, on aurait fait une attaque supplémentaire, les gars, on aurait été vraiment à limite 400K, les gars. Mais malheureusement, c'est pas le cas ici, mais c'est quand même très bien, 300 000 de def, les gars, 320 000 à la deuxième apparition. J'ai pas envie de dire de bêtises, les gars, mais ça stack très rapidement. Je pense, on va pas comparer le Joe Z au Trunks MF, non, pas du tout. Mais ça stack vraiment très très rapidement, les gars. Trunks Vegeta ici, le meilleur ami du Trunks, voilà, Trunks MF, tout simplement, les gars. En forme de Ikari, il va être quasi full. Tous les liens vont croc, les gars, quasiment. Donc ça va être très bien. 4 millions 7, les gars. Ah, c'est vraiment très bien, c'est vraiment très très bien. Sachant, les gars, que j'ai un seul doublon. Ah oui, faut préciser le fait que j'ai un doublon. L'attaque supplémentaire qui croque, les gars, ça fait plaisir. Let's go. Alors, on doit faire 5 apparitions pour être bien, hein, si j'ai bien compris. 5 apparitions, c'est énorme. Je sais pas si on va pouvoir le faire.
Parce qu'en soi, si Broly il veut bien tanker les. Non, je considère qu'on va faire une 5 apparitions, les gars, j'ai le seum. Mais c'est quoi le premier showcase, les gars? Voilà, c'est pas le premier showcase. En tout cas, c'est une chose qui me déplaît, les gars. C'est une chose qui me déplaît. Bon, la maille ici qui prend un peu cher, les gars, hein, c'est un peu logique qu'on n'a pas pris les. On n'a pas double split, les gars, c'est un peu chiant. Ouais, le Mirai. Bon, en vrai, là, tout le monde tank dans la rotation. Tout le monde tank très bien dans la rotation, les gars. Attends, c'est juste. Voilà, on doit faire des dégâts. Je pense qu'on pourrait encore faire une apparition avec le Trunks avant qu'on passe à la phase carnage, les gars. Et à partir de la phase carnage, vous en doutez bien qu'on va item, les gars. Parce que, on tankera vraiment pas sinon. Ok, nice. Du coup, le duo SCG Blue ici qui va prendre des stacks. Pourquoi pas, c'est cool. Le Mirai Endurance. J'ai pas envie de tuer, les gars. Ah, j'ai vraiment pas envie de tuer. Je pense même pas qu'il va crit en rien. Ouais, c'est cool ça. Ah, vraiment, ça m'arrange, les gars, qu'il ne crit pas, les gars. J'ai pas envie d'aller trop vite directement là. Faut se mettre en place, les gars. Petit à petit, tu vois. Mais voilà. Oh non, le script là qui fait pas plaisir. Au moins, on aura le temps de faire une split avec le Trunks. On aura le temps de faire une split, les gars. Non? Alors, Mirai Endurance, je sais pas s'il peut crit, les gars. Alors, non. J'ai pas de doublon. Les Endurance, je crois que c'est de l'attaque sup, les gars. Je sais pas s'il a du crit dans le passif. Non? Ok, nice. Oh, il aurait pu faire double split, mais heureusement qu'il l'a pas fait. Ok, ça fait plaisir, les gars. Let's go. Du coup, là, on peut mettre Trunks en... Oula, 404 def, les gars. Et oui, ça commence, les gars. Ça commence à devenir intéressant. Ça commence à devenir intéressant, les gars. 404 def, troisième apparition. Ah, en vrai, de vrai, on n'a pas été si chanceux que ça. On aurait pu faire deux spé ou une spé, enfin, une double spé dans la première apparition, genre premier tour. Et le deuxième tour, on a fait que deux spé. Ah, c'est vraiment pas mal, mais voilà. Du coup, c'était la troisième apparition. La deuxième en... Okay. Il nous manque encore trois apparitions, les gars. Oh, ah, ça commence à devenir lourd, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai pas envie de transformer le jeu SCG Blue, sinon on va... Niveau des apparitions, on va aller beaucoup plus rapidement. Genre, on va tuer, en fait, tout simplement. J'ai pas envie de tuer, les gars, je vais pas vous mentir. Ah, je préfère stack l'attaque, hein, vraiment. La maille ici, j'ai peur. La maille ici, les gars, je crois que je vais double item. Hein. Ah, j'ai peur, les gars, la maille. 104 def avec... Oh, non, j'ai... Ouais, je vais double item, les gars. J'ai peur pour la maille parce que j'ai oublié qu'il fallait partir en split avant de pouvoir tanker. Donc, les gars, je sais que la RNG, elle est pas tout le temps avec moi. Je prends pas de risque, les gars. Je préfère jouer comme ça pour être sûr, en tout cas, de tanker. Mais je prends pas le risque, les gars, de me faire exploser, vraiment. Pas ce risque là, les gars. Du coup, avec l'item de réduction, on va vraiment très bien tanker. Non, vraiment, on va tout bien tanker. 8 millions 3 avec le duo SCG Blue. Oulala, oulala, il va faire mal, les gars. 3 millions 8, les amis, ça monte crescendo niveau valeur. Oh là là, impressionnant, les gars. Ouais. Deuxième attaque, les gars. Ouais, en Vegeta, il va être vraiment incroyable, les gars. Ouais, je pense même qu'il va one turn. Non, quand même pas. Oh, bah attends, mais là, il a même pas spé le Broly, là. Qu'est-ce qui se passe, le Broly? On peut double spé ou pas? Bon, c'est... En vrai, les gars, on n'a pas besoin de la double spé parce que là, on est littéralement 100% de réduction. On est... encore plus haut, quoi. Mais qui aurait cru que je me ferais pas spé, les gars? Qui aurait cru, sincèrement? Voilà, 500 000 de def. Ah, les gars, ça devient débile, les gars. J'espère qu'on aura l'attaque, deux attaques, les gars. Il va nous manquer une apparition, je crois, après tout ça. Donc, en soi, les gars, allez, c'est la dernière apparition. Ouais. Excusez-moi, mon écran s'est cut, les gars. Alors, je vous mets ça tout de suite. Et c'est vraiment cool, les gars. Je pensais même pas qu'on allait faire toutes ces apparitions. C'est incroyable. Bon, malheureusement, mon écran a pris du temps à s'afficher, les gars. J'ai le seum. Mais 4, 5 millions 7, les gars. Ça commence à... Waouh, oui, 6 millions, oui. On croque des attaques sup, les gars. Let's go, allez. Allez, continuons, les gars. Encore une troisième. Oh, c'est dommage, les gars. C'est dommage. Mais c'est vraiment très bien, les gars. Franchement, je me plains pas. C'est extrêmement bien qu'on y croque une deuxième attaque ici. En général, vous allez en proc au moins une, les gars. Au moins une attaque sup, les gars. Je pense que c'est plutôt
Voilà, c'est plutôt accessible, les amis. Vous allez pouvoir le faire. Donc ici, Mireille Endurance en soi, ouais, tu fais le taf, mon ref. Il va tanker. Enfin, bon, après, on a encore les thèmes de réduction. Et Mireille Guan, bon, vous connaissez le personnage, il stack sa réduction à chaque tour, voilà. Du coup, les gars, je pense que le prochain tour, c'est la cinquième apparition. On va pouvoir le transformer. Si j'ai pas fait, si j'ai pas dit de bêtises, les gars, prochain tour, c'est la. Attendez. On l'a eu deux fois. Ouais, c'est bon, c'est la cinquième apparition, le prochain tour. Oh, enfin, les gars, ça fait plaisir. On va pouvoir. On a le Dokkan Mode. En vrai, on s'en fout, les gars, on s'en tape du Dokkan Mode. On s'en tape, les gars, du Dokkan Mode. On va le faire en vrai. J'ai même pas besoin. J'ai pas d'intérêt à le faire, les gars. J'ai pas d'intérêt à le faire ici. On va speed, on va speed. Ouais, j'ai pas d'intérêt à le faire, tout simplement. Les Dokkan Mode rapides, là, ils sont plus présents. Bon, on va partir en Dokkan Mode, les gars. J'ai hâte de voir la def du Trunks, les gars, au bout de la cinquième apparition. Parce qu'on l'a eu deux fois à la phase Broly Ikari. On l'a eu deux fois ici. Et la dernière apparition, bah, ça sera le tour prochain, les gars. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais oui, j'ai envie de dire, les gars, les cinq apparitions, c'est énorme. Les 5 apparitions, les gars, c'est énorme. Du coup, en bleu, il est dans la rotation avec ma maman. 1 million de def quasiment, mais non. Les gars, attendez. 1 million de def quasiment ici. C'est vraiment bien, en vrai de vrai. Je m'attendais pas à une telle valeur de def. Juste voir un truc, les gars. Alors, ça donne 20% de dégâts aux alliés. On va le faire alors, les gars, on va le faire. Le critique, ouais, pas mal. C'est cool, les gars, c'est nos petits dégâts. On a, ouais, allez, 1 million d'aides, allez, un deuxième screen, les gars. 1 million d'aides, mon rêve, c'est une dinguerie. Bon, la transo, les gars, c'est parti. Du coup, oui, on perd la défense, les gars. Parce que c'est la vie. Non, mais en vrai, c'est un peu dommage qu'on perd. Alors, je sais pas, les gars, la meilleure chose ici à faire, c'est... Est-ce que c'est de faire ça? Parce qu'en soi, on aura 9 sœurs de ki ici. Non, je vais pas faire ça. Ouais, là, c'est pas mal, là. Alors, on a 20%, on récupère toute notre défense quasiment, les gars. On va faire trop mal, les gars. Les gars, vous devez voir ça. Alors, je ne vais pas montrer les liens qui croquent, mais les gars, ils croquent. Bon, je vais vous montrer après, parce que bien sûr, montrer après, les gars. Mais en tout cas, ça va faire très mal. Hein. Ça va faire très, très, très mal, les amis. Vraiment, c'est. J'ai hâte, les gars, de vous rappeler les dégâts, les valeurs offensives et tout. Ça va être masterclass, les gars. Je pense qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, les gars. On n'est pas prêt. Attendez, voir ça. Oh là là. 16 millions. Oh my god. Oh là là. Mais non, les gars. Il est vraiment fort. Vraiment, les gars. Il a un potentiel offensif incroyable. Vraiment, je suis choqué. Ah oui, je suis choqué, les gars. Vraiment, je suis choqué. Là, Mike qui double split pour vraiment... Là, les gars, là, c'est sécurisation max. Sécurisation max, les gars. Voilà, ça fait plaisir. Comme ça, bah, on peut tanker le Broly. Même si ici, on tankera tranquillement. Ouais, c'est vraiment cool, les gars. Est-ce que la passion, les gars? Allez, et la passion, dites-vous, les gars, allez, la passion. La passion, mais les gars, en vrai, j'ai réfléchi. En vrai, ça serait bien de montrer encore une apparition. Ouais.
Ce serait bien, les gars, de montrer encore une apparition du Trunks en vrai de vrai. Je sais pas si je vais. Non, je pense que je vais tuer, les gars. Je ne tuerai pas là, c'est vraiment pour garantir la. La tantinesse, quoi. Parce que je vais pas vous mentir, mais en soi, là, si. Vraiment, là, les gars, en vrai, je pense que Vegito va très bien tanker. Même si on se prend une double SP ici, on tankera très bien, les gars. Donc, ouais, c'est vraiment pour garantir la. Entre guillemets, la. La défense, quoi, de la team. Que je vais pas transfo le. Enfin, que j'ai transfo le Vegito, voilà. Même s'il nous ralentit encore. Enfin, il nous ralentit. J'ai pas envie de dire qu'il nous ralentit. Hein. En soi, on va finir avec le Trunks, les gars. Voilà, 7 millions de dégâts. C'est pas mal du tout. Allez. Allez, balance tes attaques sup, les gars. Balance tes attaques sup. Ouais, j'ai pas envie de tuer en fait là, Vegito, tu te calmes. C'est pas ton showcase. C'est pas ton showcase, mon gars. Non, ça va, j'ai pas tué, les gars. Bon, bah, les gars, la RNG qui aura raison de nous, malheureusement. J'ai le seum, les amis, on va mourir sur le Mirai Endurance. Bon, j'ai le seum, les gars, je voulais vous montrer une seconde apparition du Trunks. MF, mais c'est pas grave, les gars, parce que du coup, on a vu ce que ça donnait lorsqu'il était transfo et full stack, les gars. Ça fait quand même des très bons dégâts. Alors, au niveau des liens qui proc avec le Vegeta MF, les gars, je vais juste vous montrer ça. Du coup, on a lien Super Saiyan, ouais, on a lien Ligne Royale. Le lien, on n'a pas lien Guerrier Doré, mais c'est pas grave, c'est un lien de ki, de défense. Bon, on s'en fout. Hein. On a le lien aussi Futur Désespéré qui proc, les gars, ça fait plaisir. Combat acharné, logiquement. Pareil au combat, oui. Et Messager du Futur, est-ce qu'on l'a? Alors, non, du coup, on proc quasi, ouais. Tous nos liens à part deux, Guerrier Doré et Messager du Futur. Mais c'est déjà excellent, les gars. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce showcase vous aura plu. On se dit à la prochaine, les gars, pour une prochaine vidéo et un prochain live. C'était Final, plus tout le monde, les gars. Ciao, ciao! Wow.